Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre nouvel épisode 2 d'Or Kicker sur la cinquième campagne. Il nous reste, nous disions donc deux missions. Je me tatouille à refaire. Oh non. Il nous reste donc deux missions. Est-ce qu'on peut la refaire? Est-ce qu'on peut la refaire? Ah, on peut la refaire. On s'en fout. Donc là, appréhender le suspect. Éliminer tous les trucs. Ok, donc là, ça va être de l'arrestation et de l'appréhension. Donc on est là. Ouais, bah je pense qu'on va se prendre une team. On va partir. Un là, un par là, un par là. Va plus avoir des mecs. Donc en fait, ce qui va se passer, on va partir par là, on va bloquer ici. Par là, on va bloquer là. Et par là. Donc il nous faut trois boucliers. Alors le premier bouclier. Non, on va pas mettre cowboy au bouclier. Merde. Bouclier, bouclier, bouclier. Ok, ensuite, 3, on va mettre de l'assaut. Voilà, on va y aller comme ça. Et on va démarrer comme ça. Donc, les boucliers, premier bouclier, oh putain. Premier bouclier, on le met là. Deuxième bouclier, on le met là. Troisième bouclier, on le met là aussi. Allez, on avance avec eux, les tortues. Ok, donc lui, on fait avancer là, le bleu, on fait avancer là, et le vert, on fait avancer là. Ensuite, on prend un mec en support du vert, deux avec le vert, on va dire. Un là, un là, et avec le bleu. Ok, où est-ce qu'on a été repéré? On a été repéré là-dedans. Mais je vous dirais, on a été repéré, mais on s'en fout. Bon, ils ont un peu fait les sauvages. Ok, donc lui, on continue de l'avancer par là. Lui, par là-bas. Lui, on l'envoie par là. Les deux. Un là, un là. Lui, on le met par là. Voilà. On élimine ce qui traîne là-bas. Voilà. Hop, on envoie tout ça là-bas. Alors lui, on va le mettre comme ça, orienté par là-bas. Lui, on va le mettre comme ça, orienté par là-bas. Là-bas, lui, je vous dirais, on va continuer d'avancer, hein, après tout. Donc là-bas, c'est éliminé. Lui, c'est quand il veut qu'il me l'élimine, hein, lui. Pourquoi il peut, pourquoi il tire pas dessus? Ok. Donc, on avance, lui, on se met par là. Lui, on le met là, il me surveille la porte. Et on le met là, il surveille la porte par là. Ensuite, là, avec lui, on avance par là. Lui, on le met en couverture là-bas. Bah, je vous dirais honnêtement, les deux là, on va les ramener aussi par là-bas. Ok, on a éliminé les deux mecs. Donc là, théoriquement, de la zone de danger, il y en a moins. On va regarder à la cam. Lui, on le met là. Il me surveille la porte. Avec mon... Là, on a mis celui-là ici pour surveiller le côté. La porte est safe, donc on va rentrer. Lui, on va le mettre par là. Voilà. Lui, on l'envoie par là-bas. Lui, on l'envoie là. Il va rentrer dans la pièce. Ok, lui, on le fait rentrer là.
Lui, on le fait passer au-dessus là-bas. Lui, on va le faire avancer par là-bas. Hop, on va regarder en dessous. Personne. Personne là. Lui, on va le mettre par là. Lui, on l'envoie ici, il va regarder en dessous. Et hop, on l'envoie par là-bas. Personne dans cette pièce-là. Lui, on le met à ce moment-là par là-bas. Lui, on le renvoie ici, il va regarder là. Lui, on fout la pièce, il n'y a rien. On va regarder dans la salle de bain là-bas. Ok. On ouvre la porte. Hop, éliminé. Lui, il ouvre la porte. Hop, on l'arrête. Donc avec lui, bon, on va pas s'embêter, on va passer par un chemin safe. Hop. Et on le ramène là-bas. Lui, on va l'envoyer ici. Il va y regarder ce qu'il y a dans la douche. Lui, il va rentrer là. Il va regarder ce qu'il y a dans le placard ici. Lui, il va aller là. Il va passer là. 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 Ici, on lui met. On attend qu'il y ait un Gnord, je sais plus quoi. En fait, il bouge que quand il a ses safe et il n'y a plus d'ennemis. Donc lui, il a un vu, donc lui on va le faire passer là. Donc là, on attire l'attention. Ah bah voilà, on l'a éliminé. Putain, c'est terrible ce que j'ai fait. Donc voilà, cet épisode va être un petit peu plus long que l'autre parce qu'on a quand même les stats. Donc les stats, on a pris, ouais, ça va quoi. Bon, précision correcte. Quoi, mais tu es qu'un homme. Il est calme, il s'est calmé. On a éliminé tout le monde a survécu. Et on va se faire le ralenti. Donc en fait, le ralenti, ouais, il y a trois zones. Donc là, on a sécurisé, on a mis un mec là-bas. Bon, par contre, les tortues, ça avance pas vite. C'est le problème des tortues. Après, vous avez remarqué la différence, quoi. Quand on y va avec les tortues, donc avec les breachers. Je crois que c'est les breachers ou les shields. Pour éliminer un mec, c'est vachement plus long. On va le voir ici. Avec lui, regardez. On est là. Ah, on est là, on a les deux. Alors l'attention, c'est le combat qui va durer. Hein. C'est le combat de la vie. On va les tuer. C'est très long. Bon, alors lui, je comprends pas pourquoi il tire pas. Là, il tire toujours pas, il veut pas tirer. Là, vous allez voir, dès qu'on arrive avec lui, une rafale, voilà, il n'y a plus personne. D'où la différence entre le pistolet, en 9 mm donc, et le fusil d'assaut qui doit être le SAR 18, ça va être du 5,56 ou du 7,62. C'est plutôt du 5,56. Donc ensuite... On avance en étudiant. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu, voilà. Lui, il nous élimine les deux mecs, à lui tout seul. Tranquillement, là-bas. Hop, on va rentrer, on va, et on fait, après, c'est du nettoyage correct, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de zone de danger, il n'y a pas de mec qui patrouille. Le danger ici est couvert, personne ne peut passer. Là, on peut nous prendre pas d'air en sortant par là. Donc là, j'ai un mec qui est ici, qui couvre, un mec qui est là, qui va couvrir. Donc on était tranquille. On regarde là dans les différentes pièces s'il y a des ennemis. Comme là, on se la joue sérieux, quoi. Hop, on y va, on élimine, paf. On ouvre, on chope l'otage. Voilà. Comme on est des fous, on l'arrête avant qu'il ait le temps de bouger. Là, hop, on fait le tour. Là, je lui ai donné l'ordre de le rapatrier, là-bas. Et là, pensant à lui, il était dans la pièce, mais ce qui est bizarre, vous voyez, l'erreur que j'ai fait, j'ai pas exploré complètement la pièce. Donc, le temps que mon mec qui est là arrive, c'était à la fin de la guerre. Regardez, hop, j'ouvre la porte, pan il meurt, et il y a l'odeur, hop, on rafale, et on l'élimine. J'ai pas mal de base, et voilà, il va loup. Bon, bah voilà, sur ce, c'est la fin de cet épisode. On va replacer, hop, lui va se reposer. Et donc, au niveau de la campagne, il nous restera, ben, la dernière mission. La libération de l'otage. Bah, allez, sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine, à plus.